pris pour cible depuis toujours en terre africaine parce que noirs à peau blanche, les albinos sont généralement exclus de la société. Nous en parlons dans cette édition. Les fidèles et les autorités ecclésiastiques ont célébré les 60 ans d'existence de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Caractérisé par un manque de mélanine dans la peau et ou les yeux et ou encore les cheveux, l'albinisme a des répercussions importantes sur la santé des personnes malades. La prise en charge n'est pas toujours évidente. Elle est venue comme ça et c'est que c'est Dieu qui m'a donné. Quand je l'ai mis au monde, là, son corps là, ça s'est bouté à venir sur son corps. Donc on dit que je suis partie avec ça à l'hôpital. Donc j'ai regardé, m'a donné Orenani n'a qu'à partir payer son pommade à la pharmacie. Donc je suis partie là-bas et payer son pommade. Grâce à Dieu, c'est parti avec son corps, bouton là, c'est parti. Mais son pommade avec son savon là, c'est sec. Comme je ne peux plus payer, j'ai laissé. Mais grâce à Dieu, Dieu a fait son corps là, ça va un peu. En plus de ses conséquences physiologiques, l'albinisme est facteur de multiples discriminations à travers le monde, dont certaines communautés. Les croyances qui sont liées à cette maladie font planer un danger sur la vie et la sécurité des personnes concernées. Pour ceux qui comprennent que c'est les hommes, nous sommes des musulmans, donc chez nous, ce que Dieu a créé, c'est la même chose comme les autres. Voilà, quel que soit, qu'il y a bras coupés, qu'il y a pieds coupés, c'est Dieu qui a décidé. Donc, il faut vivre avec la personne comme ça. Mais les gens qui voient ça autrement, peut-être c'est maintenant qu'ils peuvent trouver d'autres solutions. Sinon, à notre niveau, il n'y a pas de problème. Hein. Les albinos, là, franchement, on ne les voit pas trop comme ça. Ils sont un peu rares dans leur coin. Moi-même, ce que je vois, je n'ai jamais vu un albinos dans une entreprise en train de travailler. Mais si l'État aussi pouvait les cadrer, et puis les mettre dans un centre et puis ils vont faire une formation pour bien faire. Sinon, moi, je pense que les albinos sont un peu écartés de la société. Parce que même il y a dans les villages, les albinos sont cachés. Même pour aller même à l'école, même des fois, c'est tout un problème. On les rejette à chaque fois. L'ONU a fait du 13 juin la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, une occasion pour lutter contre les préjugés et les discriminations. L'albinisme touche entre une personne sur 5000 et une personne sur 15000 en Afrique subsaharienne. La joie était totale à l'église Saint-Jean de Cocody le 10 juin 2023 où le prélat et les fidèles ont célébré le jubilé de diamants suivi par une messe dite par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Cet événement a été l'occasion pour le curé Hippolyte Anigori de rendre un vibrant hommage aux pionniers. 60 ans, c'est une action de grâce rendue à Dieu. Et c'est normal qu'on puisse marquer un arrêt dans l'évolution de notre marche paroissiale. Il nous faut nous arrêter pour rendre grâce à Dieu qui nous permet aujourd'hui de vivre 60 ans. C'est un jubilé de diamants. Et ce jubilé de diamants marque en fait la sagesse. Et les paroissiens de Saint-Jean qui ont déjà célébré les noces d'or, enfin le jubilé d'or, aujourd'hui vivent intensément ce jubilé de diamants. Et ils veulent aller de l'avant, ils veulent être des personnes qui annoncent le Christ avec zèle, avec amour et surtout en étant, disons, des témoins exemplaires de Saint Jean l'Évangéliste. Autorités ecclésiastiques, fidèles et personnalités ont exprimé leur reconnaissance à Dieu. Écoutez, moi j'ai commencé à habiter Cocody en 1963, à la naissance de Saint Jean, et je venais à l'église ici tous les dimanches. Nos parents nous déposaient à la messe. Donc nous avons connu les curés de l'époque, les dominicains. Donc c'est une fierté pour moi et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai assisté au 60e anniversaire de Saint-Jean. Une très belle fête, bien organisée, pas trop longue, des messages forts. Je voudrais féliciter le cardinal Jean-Pierre Coutouin et le père Anigori de nous avoir fait vivre ce moment exceptionnel. 60 ans, c'est vraiment quelque chose de grand. Et moi, j'ai vu bâtir cette paroisse depuis 63 jusqu'à aujourd'hui. Dieu fait grâce. Je suis encore vivante et j'ai fait les notes de diamant. En tout cas, le Seigneur est merveilleux et il est bon. C'est une grâce de pouvoir fêter cet anniversaire de diamant, les 60 ans de l'église Saint-Jean. Comme a dit mon aîné le ministre, effectivement, mais il a oublié de vous dire, son papa est mon parrain, donc c'est ici que nous sommes baptisés. Donc c'est une joie pour moi. Très belle organisation encore.
Merci au cardinal de toujours accompagner ses pères pour les œuvres de Dieu. Et nous sommes contents, nous remercions aussi le père Hippolyte Aligori qui nous a vraiment encadrés et nous a permis de vivre ce moment, un moment inoubliable. Au terme de son homélie, les fidèles au dire du curé ont été des hommes et des femmes d'espérance, des personnes importantes dans la fondation de l'actuelle paroisse placée sous l'autorité du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Ange Cyril Tapé, alias DJ de Souza, exerce le métier de disc jockey depuis plusieurs années aujourd'hui. Pour avoir vécu les difficultés liées à ce métier, il se sent particulièrement concerné par l'organisation de la première édition de l'Ivoire DJ Awards. Un DJ, c'est celui qui a ses platines, qui a sa connaissance, qui a son matériel à lui, qui vient exercer le métier, qui se doit de donner de la joie à celui qui est en face de lui. D'abord, ce n'est pas facile, et puis bon, après, il y a la rémunération, surtout la rémunération. Ils veulent du bon boulot, mais ils n'arrivent pas à bien payer. Comment ça va apporter la lumière, la considération pour ce corps de métier ici en Côte d'Ivoire? Parce que généralement, on a pour tendance à dire que le métier de DJ n'est pas considéré. Et puis bon, les DJ sont un peu banalisés. J'étais du revers de l'année. Cette activité se tiendra le 26 août prochain au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire et a pour objectif de revaloriser le métier de disc jockey, encore banalisé en Côte d'Ivoire. Chaque DJ doit être sûr dans ce qu'il fait en ayant son outil de travail. Le menuisier, il a sa scie, il a son bateau, il a ses maîtres, il a tout ceci, il a tout cela. Et le DJ doit d'abord avoir son outil de travail. Un DJ platine doit avoir son outil de travail. Tu as ta platine, tu as ta console, tu as ton ordinateur, tu es à jour dans tes sélections. Voilà, je pense que si chaque individu commence à mettre le sérieux dans ce qu'il fait, ça va porter ses fruits. Voilà pourquoi ce genre de cérémonie, ou bien qu'on appelle là de manifestations, sont très importantes. Une partie des recettes de cet événement, à savoir 2500 francs par ticket, sera destinée à une œuvre caritative. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Cette Info.